J'ai la meilleure équipe sur le terrain à remporter. Félicitations à Clermont, c'est une victoire incontestable de leur part. Des explications, on peut toujours, toujours en avoir, on peut toujours en donner. Sur les 10 joueurs de champ, beaucoup de joueurs n'avaient pas participé ces derniers temps à la compétition. Je pense à Ben Lombard, Flavius Danilu, Youssef Attal qui était à la sélection et qui n'avait pas rejoué depuis. Mario Mina, qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Et j'ai vu rapidement, au bout de 10 minutes, qu'il y avait manque de repères, où on n'était pas dans le bon timing, on n'était pas dans les bons temps de passe. Et entre ces joueurs-là et certains qui étaient sûrement projetés sur le match de mercredi, ça a rendu ce genre de match. On a été inoffensif. On a eu du mal à récupérer le ballon face à cette équipe qui est très joueuse. On a manqué d'intensité, pour certains de volonté, ou certains pensaient que le match allait se débloquer sur un espoir individuel. Et voilà, c'était trop.